donc commencer. Alors, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs du public, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à notre rendez-vous annuel et vous remercier pour être venu assister à la conférence 2012 du département interfacultaire d'histoire et des sciences des religions. Je tiens à remercier également l'Institut Religion, Culture, Modernité et son directeur qui malheureusement est malade, donc s'excuser de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui, le professeur Jacques Ehrenfreund, ainsi que la coordinatrice de l'Institut, Aline Ostetler, qui ont co-organisé en lien avec les DIHSR la conférence d'aujourd'hui. Je remercie en outre Amélie Stuby, qui filmera cette conférence, et Francis Mobio, qui s'est occupé de la préparation, de la réalisation d'un document audiovisuel qui, portant sur la conférence. Surtout, je me dois de remercier très chaleureusement M. Enrique Dussel, professeur de philosophie à l'Université nationale autonome de Mexico, d'avoir accepté notre invitation. Rappelons ici que le DIHSR est une structure transversale aux trois facultés des lettres, des sciences sociales et politiques et des théologies et sciences des religions. Parmi les prérogatives du DIHSR figurent les financements de recherche des terrains, l'organisation des colloques et des journées d'études, les soutiens des publications touchant les domaines de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie des religions et l'organisation d'un colloque annuel. À ces propos, je signale que la semaine passée a eu lieu les colloques 2012 intitulé « L'événement en religion » placé sous la direction de Monica Salzbrun et de Laurent Miot-Suchet. Enfin, les DIHSR organisent une conférence annuelle portant sur nos thématiques de recherche, conférence dispensée traditionnellement par une personnalité académique d'envergure internationale. Ainsi, aujourd'hui, Enrique Dussel, personnalité scientifique de réputation mondiale. Il se trouve en Suisse pour participer au colloque international Penser l'émancipation, qui se tiendra ici à l'UNIL du 25 au 27 octobre. Ce colloque est organisé par la faculté des théologies et des sciences des religions, par la faculté des lettres et par la faculté des sciences sociales et politiques. Au comité du DIHSR a paru judicieux de tirer profit de la présence d'Enrique Dussel en Suisse en l'invitant à donner cette conférence intitulée « Politique et théologie de la libération, l'expérience latino-américaine ». Il voudrait bien me permettre de l'introduire, ne fût que brièvement, avant de lui donner la parole. Né en Argentine, Enrique Dussel obtient sa licence de philosophie avant de se rendre en Europe pour entreprendre ses études doctorales. Il vit ensuite quelque temps en Israël, animé par la curiosité de connaître de près la composante sémite de la culture occidentale, par-delà ses composantes grecques et latines, qui lui étaient davantage familières, de par sa formation philosophique. Au milieu des années 50, dominé par la philosophie phénoménologique existentialiste, il séjourne à Paris et aussi en Allemagne avant d'achever sa thèse de doctorat français. Comme il le dira dans une interview de 2007, par cette confrontation avec la culture philosophique européenne, il cherchait à mieux comprendre, par contraste, la spécificité historique et culturelle de la pensée latino-américaine. À son retour en Amérique latine, au début des années 60, il ressent la nécessité de transformer la philosophie spéculative à laquelle il s'était formé en une philosophie davantage concrète, nourrie des réflexions critiques suscitées et inspirées par les surgissements des mouvements politiques de libération qui commencent à voir le jour dans les continents latino-américains. À cette époque, en effet, sous l'impulsion de la révolution cubaine, et à raison de la diffusion des thèses de Marcuse et de Lukács,
Dans les sous-continents américains, toute la philosophie européenne va être repensée à l'aune des mouvements politiques de libération, d'inspiration anticoloniale. Après avoir subi un attentat à la bombe qui détruisit sa maison en 1975, à la veille de l'instauration de la dictature militaire, Enrique Dussel est expulsé de l'université et quitte l'Argentine. Il commence alors à concevoir les projets d'une philosophie reposant sur une ontologie de la libération, laquelle, en mettant en dialogue Marx avec Hegel, l'amènera à affirmer qu'aucune philosophie n'est possible dans un monde qui reste dépendant, asservi à une logique coloniale. La seule philosophie possible en Amérique latine est une philosophie de la libération sociale et culturelle. Ces thèses sont exposées dans « Philosophie de la libération » publiée à Mexico en 1975, traduit en plusieurs langues. Sans renier sa formation nourrie des philosophies existentialistes et phénoménologiques, notamment celle de Lévinas, Dussel entreprend alors une lecture approfondie de Marx et des exégètes de celui-ci. Lecture qui durera 10 ans et qui se terminera par la publication de plusieurs ouvrages, dont les derniers, La théologie métaphorique de Marx. C'est proposer un objectif précis, rompre avec la lecture, telle celle d'Althusser, purement économiciste et scientiste de l'œuvre du grand philosophe allemand. Il s'agissait de mettre à lumière la composante moins grecque que sémite de cette œuvre, et aussi de privilégier les éléments qui, dans la pensée de ces philosophes, relèvent de la théorie de la dépendance. Éléments qui, en l'occurrence, s'est prêté à penser la relation coloniale entre les Nord développés et les Sud sous-développés et dépendants du Nord. Aussi, entre centre et périphérie du monde. Et Marx, en somme, davantage pensable et assimilable en Amérique latine. De ces Marx-là, Dussel va retenir une leçon philosophique susceptible de servir à la construction d'une éthique et d'une pensée critique, toutes les deux indispensables pour penser et prendre la mesure de la globalisation contemporaine et pour élaborer une critique du capitalisme compris comme un désastre écologique et humain. Rappelons enfin qu'Enrique Dussel vit actuellement à Mexico, où il enseignait d'abord à l'Université Autonome Métropolitaine, la UAM, et ensuite à l'Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Je lui donne la parole et rappelle les titres de sa conférence d'aujourd'hui, « Politique et théologie de la libération, l'expérience latino-américaine ». J'ai l'habitude de parler debout, alors si vous m'admettez cette habitude. Je suis très content de l'invitation qu'on m'a fait de participer dans ce séminaire sur l'émancipation. Et je voudrais demander quand même, vous écoutez bien là-bas? Très bien. Alors, je ne dois pas efforcer ma voix. Je parlerai 3 fois ces 3 jours, alors je ne veux pas me répéter. Aujourd'hui, je parlerai sur l'origine, demain, je parlerai sur l'actualité, et après-demain, j'aurai une intervention en un panel de 20 minutes, je ferai une synthèse. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt parler sur l'origine de la théologie de la libération. Et comme je suis peut-être les plus jeunes de la première génération, parce que quelques-uns déjà commencent à passer dans l'histoire. Par exemple, Joseph Comblain, qui a été le premier des théologiens en l'Amérique latine, qui ont commencé à penser la réalité à partir de l'Amérique latine. Je me souviens, 1957. J'étudiais de la philosophie à la Sorbonne avec Paul Ricoeur et aussi la théologie comme laïque, catholique, dans l'Institut catholique, la théologie, et je lis son livre « L'échec de l'action catholique en l'Amérique latine ». Joseph Comblain, 1957.
Et ça, pour moi, c'est le premier livre qui commence à prendre la réalité. Mais le premier théologien déjà latino-américain a été Juan Luis II. Il a écrit en 1961 un livre petit qui s'appelle La situation de l'Église dans le Rio de la Plata, le fleuve de la Plata, Buenos Aires, Montevideo. Alors, était une première réflexion théologique à partir de la sociologie. Mais justement, à cette époque, j'ai eu des expériences que je voudrais raconter. C'est-à-dire, ma exposition ne sera pas purement objective, sera biographique. Je voudrais vous montrer comment on a arrivé à la découverte des hypothèses de ce qu'après on a appelé théologie de la libération et qui reste jusqu'à présent. Jusqu'à présent, dans le sens que n'est pas compréhensible le fait d'Evo Morales, Hugo Chavez, Lula, Rafael Correa, sans la théologie de la libération, des faits politiques qui touchent tout le continent et traversés pour cette découverte. Alors je voudrais non parler de le présent, je voudrais commencer à parler aujourd'hui de l'histoire, d'une histoire qui pour moi c'est aussi biographique. Mais l'hypothèse, c'est très intéressant. Vous connaissez à Walter Benjamin, c'est aujourd'hui un philosophe relié à l'école de Francfort, mais pas vraiment part de l'école, juif, marxiste, que Gershom Scholem ne comprenait pas l'opposition de l'expression de Walter Benjamin, qu'il disait, je pense un messianisme matérialiste. Alors, Gershom Scholem dit messianisme, oui, mais matérialiste, c'est contradictoire. C'est-à-dire, est une pensée juive dans la tradition sémite, mais quand Benjamin parlait de matérialisme, était Marx. Alors, dans les années 1930, 35, 40, était vraiment une chose tout à fait opposée, la religion judaïco-chrétienne et le marxisme. Je voudrais commencer par parler de cette question, en montrant après comment c'était une intuition de Benjamin, mais il n'a pu pas arriver à construire un discours complet à partir du messianisme matérialiste. Michel Lévy, un grand ami qui a été ici, il m'a écrit que vous organisiez ce séminaire, il m'a dit, vous devrez aller, alors je suis aussi par l'invitation, si vous voulez, indirecte de Michel Lévy, en une conférence qu'a donnée l'année passée à Mexique, à l'École de sciences économiques, en présence de plus de 500 étudiants. En Amérique latine, le marxisme dans l'économie, dans la philosophie est très populaire. Alors, il a dit, cette intuition de Walter Benjamin a été accomplie par la théologie de la libération. C'est-à-dire, ce que pour lui était une intuition, la théologie de la libération l'a développée. A été un messianisme matérialiste. Je voudrais expliquer cette question, comment on a arrivé à une telle, même pas dialogue. Fait quelques années, on a écrit un livre en Allemagne, ils m'ont invité de parler, le dialogue entre les chrétiens et les marxistes. Alors j'ai dit, on ne parle plus de le dialogue
je peux être chrétien et je suis marxiste. Il n'y a pas de dialogue. Il y a un même sujet qui passe avec les catégories des traditions. C'est une chose nouvelle et pas fréquente en Europe, mais qu'en Amérique latine, c'est tout à fait aussi présent qu'avant de partir d'ici, un journal très connu en Mexique s'appelle La Jornada, c'est comme Le Monde, le meilleur journal. Un marxiste plutôt dogmatique, il dit, Hugo Chávez, qui n'a pas de goût de presse dans le monde européen, dit, il y a une confusion théorique, parce que Hugo Chávez parle d'une part de Marx. D'autre part, Hugo Chávez parle de Jésus et d'autre part, parle de Zapata. Et Zapata, c'est un populiste. Et Jésus, c'est un religieux. Et Marx, c'est un révolutionnaire. Parler de ces trois choses ensemble, c'est une confusion théorique. Cet marxiste plutôt orthodoxe ne comprend pas la coïncidence des trois. Et je voudrais montrer comment on peut parler des trois parfaitement et ensemble. Ah, ça, c'est justement la réalité de la théologie de la libération aujourd'hui, mais je voudrais aller au commencement. Messianisme, le premier. Benjamin a parlé beaucoup du messianisme. Aujourd'hui, dans la philosophie politique, c'est un sujet très important. En la philosophie politique, je ne dis pas en la théologie. Par exemple, Agamben a tout un livre sur le temps qui reste. C'est un grand philosophe italien. Et Badiou, le philosophe à la Sorbonne, a écrit un grand livre sur Saint Paul. Saint Paul. Alors, qu'est-ce qu'a fait Saint Paul ? Allemand d'un marxisme athée, philosophe français, parce que pour lui, c'est un exemple de ce que Badiou appelle l'événement, l'Ereignis de Heidegger, l'événement. Dans l'histoire, il y a des événements. Alors, Saint Paul, c'est un événement messianique. Et pour ça que Benjamin a dit que le temps est toujours le temps de la duration. Mais il y a un moment où il y a rupture du temps. Et il y a un autre temps. Alors pour les Grecs, mais pas pour les Grecs en général, mais pour Saint Paul, dans les lettres romaines, très important pour la réformation, parce que le commentaire de la lettre romaine a été dans les mains de Luther et a commencé toute la réforme. Et la lettre romaine, aujourd'hui, c'est dans les mains des philosophes politiques, pas des théologiens. Alors, Saint Paul parle du Chronos. Chronos. Que c'est le temps de duration. Mais le Kairos, c'est le temps de la rupture, et c'est le temps messianique. Et c'est une distinction de Saint Paul, mais c'est la distinction de Walter Benjamin, qui appelle le temps duration de l'histoire et le Jetzeit. Et le Jetzeit, en germain, c'est le temps maintenant. Et le temps maintenant, c'est le temps messianique de Saint Paul. Alors, c'est très intéressant. Dans la philosophie politique, Saint Paul devient un grand philosophe de la politique, inconnu dans la pensée grecque, parce que c'est le penseur de la révolution, de l'émancipation. Les Grecs n'ont pas le sens de la rupture historique, de nouveau temps. Et ça, justement, Saint Paul, c'est le premier qui l'exprime en grec. C'est vrai que Joshua ben Joseph, comme je l'appelle, Jésus
mais Yeshua ben Yosef a montré cette rupture dans le temps, parce qu'on l'appelait à ce Jésus le Christos. Mais le Christos, c'est le Messie, c'est le messianisme, c'est le Messia. Je veux que vous avez des cours d'hébreu moderne. Eh bien, c'est Messias en hébreu moderne. Alors, ce qu'on appelle les chrétiens ne sont pas des chrétiens, sont des messianiques. Et c'est intéressant parce qu'alors, il faut recommencer toute l'histoire. Dans le temps de commencement du christianisme, il y avait deux sectes. Une secte qui avait commencé en la diaspora 500 années avant l'ère commune, avant Christ, dans la diaspora de Babylone, juifs, qui était autour de la synagogue. Alors, il était une secte juive autour de la synagogue. Mais a surgi une autre secte dans les temps de christianisme. C'était la secte messianique, pas chrétienne, messianique. Alors les juifs messianiques étaient ouverts à l'égoïm, à les païens. Et alors ces sectes juives, 100% juifs, Jésus, les apôtres, Saint Paul, tout le monde était juif. Ces sectes juifs messianiques s'appelaient les Christianoi, à partir de Christios, Christianoi, les messianiques. Et ça, c'est ce qu'on appellera après le christianisme. Alors, il faut repenser le christianisme à l'origine, d'un point de vue exclusivement juif. C'est important parce que la théologie de la libération en l'Amérique latine ne sera pas une application du christianisme à un continent. Sera repenser toute l'expérience chrétienne du commencement de notre manière. Alors ça, c'est la question, parce qu'on croit quelquefois que c'est une application anecdotique. C'est notre interprétation du christianisme. Je pourrais même dire plus fort que la réformation, parce que va encore avant de la prétention. Si vous prenez la lettre, les commentaires de Luther à l'épître de Paul, c'est une interprétation encore, au mieux, au commencement de la modernité. C'est une vision encore individuelle de la foi, mais il faut avoir une vision communautaire de la foi d'une autre manière. Alors il faut refaire les commentaires de la carte aux Romains. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais pour vous dire que la secte messianique était tout à fait différente que la secte synagogale. La synagogue a rester fermé sur soi-même. Et regardez, fait quelques semaines, j'ai relu un livre qui n'est pas un père de l'Église et n'est pas un grand exégète de la théologie. Il s'appelle Kautsky. Kautsky. Kautsky, vous savez que c'est un des membres de la première internationale, de la deuxième internationale, un marxiste orthodoxe allemand. Mais il a écrit un grand livre, 400 pages, sur le christianisme, l'origine du christianisme. Parce qu'il dit que le christianisme originaire était révolutionnaire et messianique. Et dit quelque chose de très intéressant que je, qui ai étudié la théologie 10 semestres et même. J'ai reçu d'une université suisse de Fribourg
un doctorat honoris causa de théologie, jamais je lis cette idée de Kautsky. Il dit, le judaïsme synagogal s'est répandu par l'empire babylonien premier, après des autres empires, s'est répandu par l'hellénisme, l'empire romain commun, comme des clans ou des petites communautés commerciales. Étaient des commerçants. Alors, le dieu de ce petit clan commercial était le même. Il y avait elle. Mais en toute place, était le même, mais le lieu local était particulier. Ils ont commencé à avoir l'idée d'un dieu universel parce qu'il était le dieu d'un clan commercial. Très intéressant. Urbain, non, n'était pas des agriculteurs. Par contre, le judaïsme messianique, ouvert à l'égoïme, à l'impérien, goïme, ont commencé à adapter les traditions même agricoles. Et pour ça qu'on commençait à transformer sa tradition. Par exemple, Noël, Christmas, le 24 décembre, la naissance de Jésus, c'est une fête chrétienne. C'est chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Il est né dans le 2e, 3e siècle. C'est la naissance du soleil hellénistique romain. Rien à faire avec la pensée chrétienne et juive. Mais ils ont adapté les traditions agricoles de l'empire hellénistique premier et romain. Ils l'ont mis dans la tradition de cette religion qui ont commencé à prendre une transculturation. C'est intéressant pour que vous compreniez la complexité des questions. Le 1 décembre, c'est le jour plus... Non, le 24, 21. 21 décembre, c'est le jour plus court de l'année. C'est le solis natalis, la naissance du soleil. C'est une grande fête dans l'Empire romain. Et dans tout le peuple de l'hémisphère nord, dans la Chine, l'Inde, les Perses, les Grecs, les Romains. Quand les Européens ont arrivé à l'hémisphère sud, à Pérou, ils ont arrivé, il y avait une grande fête au soleil dans Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Mais cette fête, quel mois était? Était le 21 juin. 6 mois de l'autre côté. Et ils ont imposé la naissance du soleil en décembre, où il y a la chaleur. Et le soleil commence à mourir. On détruit toute la liturgie de l'hémisphère sud. Jusqu'à présent. Alors, vous comprenez la différence entre une secte qui reste synagogale et la secte messianique qui a pris une culture, l'a incorporée, s'est mélangée avec elle, l'a transformée et s'est identifiée avec la culture méditerranéenne. Il n'a pu jamais faire une autre inculturation en aucune autre culture. Après, je parlerai de ces questions. Mais c'est une question future pour le christianisme encore, l'identification avec la culture méditerranéenne. Alors, je ne parlerai pas beaucoup sur le messianisme, je pourrais faire un semestre, comme vous comprenez. Mais la deuxième partie, c'est la plus intéressante. Matérialisme. Que signifie ? Matérialisme, je voudrais maintenant partir d'un autre horizon. Osiris. C'est le dieu de la résurrection en Égypte, 30 siècles avant l'ère chrétienne, 3000 années, ou 2600. Si vous allez à le livre de mort de l'Égypte, chapitre 125,
dans les mains des ethnologues qui ont arrangé tous les textes par chapitre. Le livre des morts n'a pas de chapitre, mais vous trouverez un texte formidable qui dit « Les morts est enfant d'Osiris ». Et Osiris le demande aux morts « Comment t'appelles-tu ?» L'appelle par son nom. Les pensées grecques pensent que les morts perdent son nom et se dilue dans l'unité du cosmos. Mais Osiris fera la résurrection de l'individu. Charles Taylor, qui écrit un grand livre, La source of the self, va vers les ours, on a trouvé la première expérience du self, du moi, il ne le trouve en Grèce. A dû croiser le Méditerranée, il l'aurait trouvé en Égypte. Mais Charles Taylor est un eurocentrique, il ne comprend pas ces choses. Alors, Osiris le demande par le nom. Il dit, qu'est-ce que as-tu fait de bon? Alors, les morts disent beaucoup de choses, mais en un moment dit, j'ai donné de manger à ceux qui ont faim. J'ai donné de boire à ceux qui ont soif. J'ai donné un vêtement à ceux qui sont nus et je lui ai donné une barque aux pèlerins. Ça, quatre nécessités de la chair. De la chair. Sars. Bazar. Pas du corps. Le corps et l'âme sont la liste, c'est grec. Et l'âme, c'est immortel. Pour les Égyptiennes et les Semites, on est une unité. La chair. On n'a pas d'âme. On meurt et on ressuscite tout. C'est la positivité de la charnalité. Le critère est donner de manger. Et le manger, boire, avoir de la température avec les vêtements, c'est une question de vie ou mort. La vie, c'est le critère du jugement. Et le contenu de la vie, c'est manger, boire, avoir un vêtement, embarque en île. 30 siècles après Osiris, Jésus a donné les mêmes critères pour le jugement final. Quand j'avais de faim, vous m'avez donné de manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné de soif. Mais après, il est changé. Comme en la Palestine, il n'a pas un fleuve pour donner un bateau. Il a dit, je ne vais pas en maison et vous m'avez donné l'hospitalité. Et après, j'ai tenu et vous m'avez donné des vêtements. Les mêmes quatre besoins, mais a changé la barque du Nil par les bâtiments. Mais 19 siècles après Jésus, Marx a dit, quels sont les quatre besoins fondamentaux de l'être humain? Manger, la calefaction, les vêtements et habiter. Il a changé, voire par calefaction. Parce que si vous êtes en Égypte ou Palestine, vous n'avez pas besoin de calefaction. Mais l'eau est difficile de trouver parce que vous êtes dans des déserts. Mais en Allemagne de Marx, il y avait trop de l'eau, mais il y avait beaucoup de froid. Alors, il a changé les quatre besoins. Mais a coïncidé avec Osiris et avec Jésus, Monsieur Marx. Ah, le matérialisme, identité de l'éthique. L'éthique de Marx, c'est l'éthique sémite de Jésus et d'Osiris. Intéressant. Alors, n'était pas une contradiction parler du messianisme matérialiste. Les critères de jugement final, c'est le critère éthique universel. De tous les jours de la vie, pas du jugement final, du jugement. Et à faire avec la vie. Si vous ne mangez, vous mourrez. Si vous ne pouvez voir, vous mourrez. Si vous perdez la température, vous mourrez. Si vous n'avez pas une maison, vous mourrez. Vie et mort. Et déjà, toute une théologie.
parce que c'est une théologie, je vous montrerai, économique. Mais il faut avoir les catégories pour descendre de la théologie à l'économique. Si je n'ai pas les catégories nécessaires, alors je fais une théologie idéologique. Et c'est presque les 90, les 99 de la théologie est idéologique, parce qu'elle n'est pas matérialiste, n'a rien à faire avec le manger et la vie. Vous verrez. Alors, je finis ici avec Benjamin et je commence une autre narrative biographique. J'étais 1957, c'est-à-dire 60 années après, avant. Et pour montrer l'histoire de cette affaire, et quelqu'un peut me... Oui. Oui, pardon. Pardon. Je voudrais vous montrer comment on est arrivé à découvrir cette coïncidence entre la foi chrétienne et la réalité politique, économique, sociale du monde. Et à quel point la théologie, et quand je parle de la théologie, je parle de la théologie que je connais, parce que je connais Moltmann personnellement, je connais personnellement Hans Küng, et j'étais avec eux, Congar de l'autre époque, et alors je sont des amis, les grands théologiens. Alors quand je parle de la théologie, je parle de quelque chose que je connais personnellement. Alors, en 1957, j'ai pris un bateau à Buenos Aires et est allé à l'Europe. J'ai croisé 4 fois l'Atlantique avec bateau, avant de l'avion. Où il y avait l'avion, mais c'était trop cher, alors c'était mieux marcher aller par bateau. Et j'étais arrivé en Europe, en Espagne, j'ai fait un doctorat en Espagne de Franco, c'était bon, la dictature de Franco. Mais l'année 68, mon père m'a envoyé 100 dollars pour aller à un champ de travail en Allemagne. Et en arrivant à Paris, j'ai découvert à un grand mystique chrétien, Charles de Foucault. Alors j'ai dit, je n'irai pas en champ de travail en Allemagne, j'irai à Israël. Et j'avais seulement 80 dollars. Et avec 80 dollars, j'étais arrivé à Israël. Je faisais autostop. J'avais une baguette, un œuf, un litre de lait et pas plus. Et c'est mon... J'étais arrivé à Naples, j'ai acheté un ticket de 46 dollars jusqu'à Beyrouth et je n'avais plus de l'argent. Alors j'ai demandé de la limousine des gens qui me donnaient de manger, pèlerin à Terre Sainte. Alors j'étais à Beyrouth, j'étais à Damas, Baptouma où Paul a été converti, j'étais à Amman, j'étais arrivé à Israël et j'étais à Nazareth. Et en arrivant à Nazareth, il y avait un coopératif d'un Français qui s'appelle Paul Gauthier. C'était un prêtre ouvrier avec des Palestins. Et il construisait les mêmes maisons. Alors j'ai dit, ah, très intéressant. Alors j'étais avec eux. Et moi, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai retourné à l'Espagne, j'ai fini mon doctorat en philosophie et j'ai retourné à Nazareth. Alors j'étais de l'année 59 jusqu'à 61, 2 années en Israël, en étant charpentier à Nazareth. J'étais matérialiste. Alors je clouais des clous. 10 jours. Heure par jour, ouvrier, pas étudiant maintenant.
J'ai travaillé avec elle. J'ai étudié le brun moderne. Je l'ai parlé avec les juifs. Et j'étais à Nazareth. À Nazareth, il y avait une synagogue. Il est encore. J'étais allé, fait peu de temps, 40 années après, il est encore. Et cette synagogue, les fondateurs du christianisme, a pris un livre, un rôle d'Isaïe 61:1, qui est dans l'évangile Luc 4:18. Il dit, un jour, le fondateur du christianisme est arrivé à la synagogue. Il a lu, Roi Adonai Alai, l'Esprit du Seigneur m'a consacré à donner une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Aux pauvres. Tochoi, dit en grec, y en hébreu, anavim. Les pauvres. Gautier m'a enseigné que l'évangile était un engagement avec les pauvres. Et c'était 1961. Il a écrit un livre, Gautier, qui s'appelait Je suis l'Église et les pauvres. Et l'obsession de Gautier était les pauvres, les opprimés, les derniers. Je suis venu pour eux. C'était l'idée. Tous les samedis, on allait à la synagogue et on relisait les textes en hébreu. C'était la règle de vie de cette communauté. J'ai appris cette expérience là-bas. Je suis 7 années avant la théologie de la libération, qui parlera après de l'engagement en faveur des pauvres. J'ai eu l'expérience spirituelle, mystique, à Nazareth, de ces questions. Et justement, ça a une grande tradition sémitique, parce que vous souvenez Hammurabi, le grand roi de Babylone, fait 3750 années, d'aujourd'hui, il dit, j'ai fait justice avec la veuve, l'orphelin et le pauvre. Et c'est le texte de tous les prophètes d'Israël, les pauvres. Après, m'en fait une fois une critique, 20 années après, en me disant, les pauvres, c'est un concept mystique, n'a rien à faire avec Marx, parce que Marx parle de la lutte des classes, mais pas des pauvres. Je dis, quel problème. Alors, je vous montrerai après comment j'ai commencé à étudier Marx, jusqu'à arriver à trouver la catégorie de pauvre en Marx, comme l'essence de toute la pensée de Marx. Aucun marxiste l'avait vu. Alors, c'est intéressant, la coïncidence. Mais les pauvres, c'est un problème économique. Les pauvres n'est pas une métaphore. C'est une réalité. C'est quelqu'un qui ne peut manger, ou ne mange suffisant, qui ne peut voir, qui ne peut avoir un vêtement, qui n'a pas un logement, qui n'a pas l'éducation, qui n'a pas de santé. C'est la carnalité matérielle. Pas spirituel, parce que l'esprit se joue justement par les pauvres. Quelqu'un est spirituel quand joue sa vie pour les pauvres. Sinon, c'est idolatrique, fétichiste. Alors, on commence à découvrir les grandes catégories de ce qui sera après la théologie de la libération. En 1514, 3 années avant Wittenberg de Luther, 3 années avant le prince de Machiavello, en une cité de Cuba qui s'appelle Santi Spiritu, Bartolomé de las Casas
qui était en Dominique. Premièrement, un conquérant, un soldat. Les premières vocations sacerdotales de tous les continents américains. Et après, j'ai fini pour être un dominicain. Mais un personnage vraiment très intéressant. Était prêtre à Cuba. Hein? Cuba a été choisi. Et lui, le gouverneur Velázquez de l'île de Cuba, vous savez que la découverte de l'Amérique était quelques années avant, pas trop, 26 années avant, avait été découvert l'Amérique. Alors il a dû célébrer la messe, liturgie catholique. Il a pris un livre qui s'appelle l'Ecclésiastique, 34 Ecclésiastiques, 34, 28. C'est le livre de Ben Sira. De Ben Sira. Et c'est, en ce texte est fantastique. C'est un texte incroyable. Et avec ce livre, ce texte commence pour moi les anti-discours de toute la modernité jusqu'à présent. C'est-à-dire les dernières 500 années, en 2014, on accomplira les 500 années de cet événement, sont sous l'ombre d'une modernité équivoque. Alors, le texte dit comme ça. Offre Dieu le pain volé aux pauvres, c'est tuer le fils en présence du père. C'est-à-dire, le prêtre était ici, mais il avait des Indiens qui travaillaient pour lui gratuitement, parce que c'était les conquis, les Indiens. En un système qui s'appelle l'encomienda, un système économique. Les Indiens travaillaient la nature, la terre, et produisaient le pain. Alors, les prêtres doivent offrir Dieu du pain eucharistique. Alors, il dit, « Oh Dieu, je t'offre ce pain. » Fruit du travail et de la terre. Mais ce pain, comme j'étais un prêtre conquérant, l'ai volé à l'Indien qui a travaillé la terre et a produit le pain. Alors je l'ai volé aux pauvres, le pain. Et si je offre à Dieu le pain qui est volé aux pauvres, je tue le fils en présence du père, dit le texte. C'est-à-dire que ce Dieu n'est pas Dieu, c'est une idole. Parce que je tue l'Indien et l'autel. Parce que le pain, c'est la vie du pauvre. Et si je le rôde, le pain, je le tue. Tout Marx était là. Et un texte 200 années avant Christ, dans un livre sémitique. Alors j'ai compris la structure de l'Eucharistie. Eucharistie. Et l'économie. L'Eucharistie avec une structure économique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Parce que l'argent de banque, c'est aussi objectivation de vie humaine. Et ce qui accumule l'argent tue le pauvre. Si je parle de la Suisse, c'est seulement par casualité. Même pays qui vivent de banques a des problèmes. Avec problème. Et pour ça que Feuerbach
a dire l'essence du christianisme et voir et manger. C'est le deuxième chapitre de l'essence du christianisme de Feuerbach. Voir la sang, que c'est la vie, et manger le corps, que c'est la chair. Feuerbach connaissait l'Eucharistie, il est relié avec l'économie. Vous comprenez? Alors, on a commencé à comprendre qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Il y a un évêque à Bolivie, 1550, je le lis dans les inédits, l'archive des Indes à Espagne, en ma thèse doctorale d'histoire à la Sorbonne. Il dit, l'évêque de Bolivie, fait 4 années, justement, 1546, fait 4 années que pour finir d'être détruit ces terres, les Espagnols, et le terme espagnol, ont découvert une embouche de l'enfer. Embouche de l'enfer, par laquelle elle immole grande quantité de gens à son Dieu, que c'est l'argent. Et c'est une mine d'argent qui s'appelle Potosi. Alors, elle a vu, l'argent venait de Bolivie en Europe, en Espagne, à l'Hollande, et a fini à la Chine. 20 000 tonnes de plate de Bolivie seule. 20 000 tonnes. Ah, si l'Europe devait payer les intérêts de cette capitale. Même le capital financier mondial de 1 000 trillions de dollars fictifs de le capital financier ne sera pas suffisant pour payer 20 000 tonnes de plate après 5 siècles. Alors, cet évêque a vu un Dieu, et ce Dieu nouveau était l'argent. Et Marx a dit, la question juive, votre Dieu, c'est l'argent. Il l'a dit 3 siècles après de l'évêque. Et la même chose, parce que le nouveau Dieu était le capital, et on immole l'humanité au capital. Sinon, voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On commence à immoler aussi aux Espagnols, aux Grecs, aux Italiens, pour payer une dette fictive, argent. Mais quelle théologie étudie ça? Il n'y a pas. La théologie parle de ce geste de texte idéologique. Ne touche pas la réalité du monde, parce qu'il n'y a pas de catégorie pour penser la réalité. Et alors, après 2 années en Israël, j'ai retourné en Europe. Et j'ai venu de l'Orient. Alors, pour moi, c'était vraiment une expérience, voir de nouveau une croix. Une croix. Je ne l'avais presque pas vu en Israël. Alors, j'ai arrivé à l'Europe. Et je me suis installé à Paris. J'ai étudié à la Sorbonne. J'ai fait un doctorat à la Sorbonne. C'était le dialogue marxiste-chrétien. Mais je ne connaissais pas encore le Marx. Et en 1957, j'ai retourné à l'Argentine. Après 10 années en Europe, avec des dictatures militaires, partout le continent. Ah, les latino-américains, ils aiment les dictateurs. Non, les dictateurs étaient boursiers dans les écoles militaires des États-Unis. Ils ont formé les dictateurs. Kissinger a mis les dictateurs. Mon philosophie à la libération commence de l'état d'Héraclitos, Héraclite, von Clausewitz, in Kissinger, la guerre, c'est l'origine de tout. Polemos, pater, panton.
Mais Kissinger était à la base de toute la dictature en Amérique latine, en l'époque. Alors, et cet retour à la réalité concrète était frappant. Le peuple luttait contre la dictature. Et alors surgissent les problèmes du peuple. En Argentine, au Chili, après il y aura le coup d'État avec Pinochet, Videla en Argentine, après et le Brésil 1964, la première grande dictature au Brésil. Il arrive un moment en l'Amérique latine qui est toute couverte de dictature. J'ai reçu un attentat de bombe à ma maison par la droite. Et j'ai dit, laissez le pays, parce que t'es une liste de gens à être tués par les militaires. Alors j'étais exilé au Mexique. Juan Marcuse a été exilé dans l'Amérique du Nord pour n'être pas dans les mains de Hitler. Nous avons notre Hitler aussi. Alors, en cette époque, qui a commencé justement la théologie de la libération. Il y avait un institut de pastoral latino-américain à l'IPLA, en Quito. J'étais arrivé en Argentine, petite université, et j'ai dit maintenant, j'ai dit par train dans le désert. M'est arrivé une lettre. Vous voulez être professeur d'histoire de l'Église en un institut nouveau qui s'organise pour tous les continents au Quito? J'ai dit, ah, c'est une bonne occasion pour aller à l'Équateur. Alors, il y avait 200 gens adultes qui faisaient un recyclage de ces études. Et là, étaient Gustavo Gutiérrez, Juan Luis II, tous ceux qui seront les théologiens de la libération future. Alors, je me souviens qu'on a pris l'Exode, le livre. Alors, Moïse était en Égypte. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est la totalité. C'est une catégorie. La totalité, « toholon », le disaient les Grecs. L'ordo, c'est le latin. Heidegger, « de Ganzheit ». Marcuse, la totalité unidimensionnelle. Égypte. Et le pharaon, les pharaons. Et les esclaves d'Égypte. Alors, le pharaon était un dieu. L'Égypte, l'esclave était Abodha, signifie en hébreu Abodha, signifie travail. Et Abodot, les esclaves, ceux qui travaillent. Alors, regardez, Dieu a parlé à un fils du pharaon, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la structure de l'Empire. Et il a dit, qu'est-ce que dit Dieu? J'écoutais les cris du peuple qui travaille en Égypte. Il écoutait la voix du peuple. Du peuple. Et alors il dit, libère-le, l'Égyptien. Faites-le la libération des Égyptiens. Donc Moïse se joue par l'esclave. Mais vous vous souvenez qu'il s'est joué par l'esclave et un majordome a découvert qu'il a tué le majordome et alors il a dû sortir dans le désert. Le désert est hors l'ordre, dehors, c'est l'extériorité. En ce moment, on a lu Levinas. Mais on a lu Levinas d'une manière tout à fait différente que l'Europe, parce que Levinas parlait du pauvre, de l'écoute et de la face à face. Moïse était face à face avec Dieu. Alors on a commencé à développer une philosophie et une théologie de la libération. La première étape était levinasienne. Alors il y a l'ordre présent, il y a l'oppression, il y a la Léodéserte et l'organisation d'un nouvel système futur, la terre promise. C'est tout une dialectique.
c'est toute une méthodologie. Il a des catégories ici pour faire une philosophie et faire une théologie. Si après je ne parle pas de l'Égypte, mais du capitalisme, je peux comprendre qu'est-ce que signifie l'ouvrier assalarié, je peux comprendre l'exploitation, je parlerai demain, et comment sortir de ces situations. Et alors, je commence à avoir des catégories pour comprendre la réalité. Et le pauvre qui est l'opprimé. Alors, le pauvre de Nazareth et de Gautier, maintenant, commence à prendre possibilité d'un développement épistémique. C'est-à-dire, on a des catégories scientifiques, économiques, politiques, psychoanalytiques, pédagogiques, de toutes les sciences humaines, pour comprendre ce qui est opprimé et comment en sortir. Même Freud. Mais la question que Freud était aussi machiste. Et alors, l'Édipe est justement une situation de domination. L'anti-Édipe, c'est Abraham, qui a aimé à Jacob, ne l'a pas immolé, et alors n'a eu jamais le complexe d'Édipe. Abraham. Alors, ça serait des développements postérieurs qu'on doit réaliser. Le point de départ de la théologie de la libération a été en cette époque, 1968. Les 68 de Paris, de Berkeley, de Tlatelolco au Mexique. Au Mexique, le gouvernement a tué plus de 400 étudiants. Ça n'a été passé à Paris et à Berkeley, a passé dans l'Amérique latine. En l'Argentine, ça s'appelait le Cordobazo. Les étudiants et les ouvriers ont pris une ville, Córdoba. Et a tombé le dictateur Onganía, a été remplacé par autre militaire. Mais il y a eu de grands mouvements. En 68, on a lu à Marcuse, on a lu à Sartre, à Fanon, mais aussi à des gens latino-américains, Fals Borda, le sociologiste, sociologie de la libération, un philosophe comme Salazar Bondi au Pérou, philosophie de la domination. Et alors on a commencé à parler théologie de la libération, et moi et un groupe de philosophes, on a commencé à parler de la philosophie de la libération. Le point de départ a été spécialement la théorie de la dépendance. Et ça sera l'objet peut-être de ma conférence demain. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a un centre, il y a une périphérie. Le centre est devenu l'Europe. Et la périphérie, c'est le monde colonial. De telle manière qu'il y a la modernité, le capitalisme, la colonialité et l'eurocentrisme. Ces quatre phénomènes sont simultanés. Alors, on fera la critique de la modernité, on fera la critique du capitalisme, de le monde colonial et de l'eurocentrisme d'un point de vue épistémologique, la théologie en Europe et les États-Unis est absolument eurocentrique. Mais d'une manière qu'elle-même ne comprend pas. Et plus que ça, la théologie, c'est la vertèbre de l'eurocentrisme. Parce qu'on pense alors Jésus, et après le monde hellénistique romain, et après le Moyen-Âge, et après la modernité. Et ces lignes, c'est l'histoire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la modernité. Qui a proposé cette vision absolument fictice? Le romantique allemand, Friedrich Schlegel.
Alors, où est la Chine, l'Inde, le monde arabe, l'Amérique, ni rien de tout. C'est une chose fantastique. Je n'ai pas de temps pour détruire absolument cette vision de l'histoire, parce que c'est justement l'essence de la théologie chrétienne. Parce qu'à mis à Jésus dans le centre, Jésus est plus humble. Si elle a la capacité de donner des bonnes nouvelles aux pauvres, les donnera de toutes les autres, même la religion. C'est-à-dire que l'évangélisation ne signifie ce que quelquefois on croit, sinon quelque chose de tout différent. Mais a été à ce niveau un centre qui était l'Europe, qui a fait de l'Amérique latine la colonie première, 5 siècles, après l'Afrique noire avec l'esclavage, et après le monde arabe, mais beaucoup après l'Inde avec les Anglais, le sud-est asiatique. Et la Chine jamais a été colonie, mais quand même a été sous-développée. Alors, l'Europe au centre et les colonies au côté. Et justement, je n'ai là en une colonie. Alors, je comprends qu'est-ce que signifie être colonial. L'être est. Le non-être n'est pas. Parménide. Qu'est-ce que dit ? L'être, c'est grec. Le non-être, c'est le non-grec. Les grecs sont les humains, anthropos. Mais les barbares et les européens et les asiatiques ne sont pas humains, pour Aristote. Aristote a dit, les vivants qui habitent la cité, la polis, c'est l'anthropos, l'être humain. Ah, c'est universel? Non, si vous n'êtes pas en une ville hellénistique, vous n'êtes pas humain. Les barbares sont moines, les asiatiques sont intelligents, mais pas fortes, seulement sont humains, les grecs. C'était l'hélénocentrisme, la mère de l'eurocentrisme. Et la théologie, c'est eurocentrique. Il faut la voir de toute une autre manière que je n'ai pas de temps, peut-être qu'après parlerai. Alors, la théorie de la dépendance a découvert d'un point de vue économique qu'il y avait un transfert de richesses de la périphérie au centre. Mais cette transfert était des robes, était des prêts sans payer. Les 20 000 tonnes, c'est-à-dire 20 millions de kilogrammes d'argent de la mine de Potosí, a été volé, ne pas payé. Alors, les transferts aux autres étaient la constitution du capitalisme originaire. Et alors, la théologie a dit, c'est un péché structurel duquel chaque personne peut ne pas avoir conscience. Je peut-être que je n'ai pas conscience personnelle d'être une structure de péché. Et c'est justement le péché originel de chaque époque, qui constitue la subjectivité de chaque époque, sans conscience du sujet. Alors, il y a une structure qui détermine au sujet et de laquelle le sujet n'a pas conscience, mais c'est un péché structurel. Alors vous direz, ah, ben si je n'ai pas de conscience, je ne suis pas coupable. Non. Vous voyez les pauvres. Et vous n'avez pas vous demander pourquoi les pauvres, je suis riche. Alors, mieux pas faire une recherche. On a conscience de la différence. Et on est coupable de la différence. Si je ne suis pauvre, je suis coupable de la pauvreté du pauvre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pauvre. Parce que simplement je suis riche. Et alors, j'ai les avantages du système. Si je ne les vois pas, je dois refaire la théologie morale.
il y a un péché de structure. Par là commence la théologie de la libération. Alors le capitalisme, hein, qui prend une autre personne, il achète le temps du travail, utilise la corporalité de l'autre pour la usure, pour avoir des avantages économiques. C'est un plaisir, c'est une passion, ça s'appelle la usure. Mais c'est comme la prostitution. Quelqu'un utilise le corps d'un homme ou d'une femme pour une passion sexuelle, comme un moyen pour son appétit, et après le paye. C'est le même le travail à salarié. Je prends la corporalité de l'autre, je l'utilise pendant un temps, et je le paye, et accomplis la passion, pas sexuelle, de le profit, de l'usure. Mais je fais de l'autre médiation de mon but, de mon fin. C'est une destitution de la dignité de l'autre, le travail à salarié, comme tel. Je parlerai après. Et ça, la Bible qui dit, le même Ecclésiastique 7:4 dit, si vous ne payez pas les salaires, vous déramez, vous sans. Si vous ne payez les justes salaires, vous déramez sans. Parce que la sang, c'est la vie. Et le corps, c'est la chair. Et dans l'Eucharistie, le pain, c'est la chair. Et la sang, c'est la vie, pas l'âme. Et quand on la divise, c'est un symbole de la mort. L'Eucharistie. Et Feuerbach a dit, le sens du christianisme, c'est voir la sang et manger le corps, célébrer la mort, mais la mort injuste du Messiah, très profonde, très économique, très historique. Alors, à partir de l'idée d'un péché structurel, on a commencé à refaire toute la théologie, tout. Pas un chapitre de morale, même la Trinité a changé de sens. L'incarnation a changé de sens. L'histoire de l'Église. Les chrétiens, au commencement, ont été accusés d'athéistes. On allait au cirque parce qu'ils étaient athées de tout le Dieu romain. Étaient athées de l'idole. Mais les Américains, le dollar, disent « In God we trust ». Il les met dans l'argent. Que pour le fondateur du christianisme, l'argent c'est maman. Et le Dieu d'Israël c'est contre l'argent. Et les Américains ont mis à Dieu dans les monnaies. Ils sont des idolâtres. Mais je dis, ils ont commis une erreur orthographique. In God we trust, oh. In God we trust. Que c'est la monnaie elle-même. Alors, vous voyez, on commence à dire, le problème n'est pas l'athéisme. Si Moïse était athée de Pharaon, et les chrétiens étaient athées de tous les dieux romains, tous, parce que son dieu était autre que tous les dieux, alors il était athée. L'athéisme, c'est la condition de possibilité du changement d'un système historique, parce que les systèmes veulent se croire Dieu. Et c'est pour ça que Proudhon, dans la philosophie de la misère, occupe 10 pages dans l'introduction en disant l'hypothèse de toute révolution sociale, c'est l'inconnu Dieu. Proudhon dit que Dieu, c'est l'inconnu secret de toutes les révolutions sociales. Le socialisme utopique. Pourquoi? Parce que pour changer le système,
je dois dire, n'est pas divin. S'il est divin, je ne peux pas changer. S'il est une créature, alors je le peux changer. Dès idolâtriser le système, les possibilités de commencer. Alors l'athéisme, c'est orthodoxe. Le matérialisme, c'est orthodoxe. Et j'ai commencé à lire Marx, tout, entier. Et je n'ai pas trouvé une contradiction avec ma foi. Demain, je parlerai de cette question, de comment Marx n'est pas aucune contradiction avec la pensée chrétienne, premièrement, et deuxième, lui a autant de métaphores théologiques, milliers de métaphores, que si je prends ces métaphores, il sort une théologie. Et une théologie orthodoxe. Et c'est un livre que je l'appelle Les métaphores théologiques de Marx. Alors, je suis au-delà de beaucoup de choses. Et ça, je l'appelle la transmodernité, le monde qui vient. Le monde qui vient ne sera plus moderne, sera transmoderne, pas postmoderne. Ne sera pas capitaliste, sera autre chose que le capitalisme. Ne sera plus colonial. Il y aura l'égalité parmi les cultures et certainement ne sera pas eurocentrique, sera un pluriverse. Où les dialogues entre les cultures construiront quelque chose de nouveau qui commence. L'essor de la Chine, de l'Inde, de le monde arabe, de l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord, commence à être les grandes régions du monde futur qui seront en égalité. Alors il faut commencer à rêver quelque chose pour le futur. Ne sera pas même socialiste, parce que le socialisme peut-être qui a été trop moderne et même trop eurocentrique. Alors il faudrait aller au-delà. Et pour ça que je pense qu'il faut maintenant utiliser beaucoup l'intelligence. J'ai parlé déjà une heure, mais je pense que il a fallu parler en plus de l'économique et politique, de la question de genre, parce que la totalité est masculine et l'ego n'est pas l'ego cogito, mais c'est un ego masculin et qui domine la femme, et c'est un ego blanche qui discrimine les races non blanches, et c'est de culture occidentale et discrimine les autres cultures. Et alors, on peut commencer à trouver les différences et les différents types de domination. Et toutes ces branches ou chapitres sont chapitres de la théologie. La théologie féministe contre le racisme, contre le capitalisme, contre les cultures originaires, l'imaginaire populaire, tout ça, ce sont des grandes questions de la théologie. Mais d'une théologie décolonisée d'un point de vue épistémologique. Parce que jusqu'à présent, reste eurocentrique en la majorité de ses réflexions. J'ai parlé plus d'une heure, c'est suffisant pour commencer. Merci.